Planète rap. Qui connaît les lyrics? Déjà commençons. Là, je vous le dis, hein. Là, c'est cadeau d'une valeur inestimable à gagner, mais vraiment. Okay. Bon, hier, c'était bien, c'était inestimable. Ouais, mais là, c'est très grand cadeau d'une très grande valeur inestimable. Okay. À gagner. Pour le ou la meilleure autour de la table, chacun pour sa gueule. Okay. Le jeu s'appelle Qui connaît les lyrics? Aïe. La règle du jeu est fort simple. Des morceaux, l'artiste, et à un moment, un bip dans le morceau. Il faut donc retrouver les lyrics manquants. C'est des morceaux... Ouais, franchement, des gros hits. Okay. Après, ça dépend ce qui est hit pour toi. Hein. Hit pour oui, la radio sur laquelle je bosse, des gros hits de Skyrock. Oui, c'est vrai que peut-être on peut avoir en effet quelques différences, mais un hit reste un hit. C'est vrai. On attaque tout de suite, tiens, c'est un morceau. Si, ça c'est quand même celui-ci, SDM Bolide Allemand. Mm-hmm. Tout le monde... Je connais le son, mais je pourrais pas te dire, par exemple, les lyrics. Ouais. Bah, démerdez-vous. C'est parti, premier extrait. Moteur, c'est pas hybride, c'est V12. Mon cheval est gagnant, je veux faire du shopping à V2. On passe tous à la barre, mais aucun nous passe aux aveux. Maintenant, ça va. Check-moi, putain. Ah. Non, ce n'est pas c'est pas ça, les lyrics manquants, Chrissy. Moi, je suis perdu là. Moi, je l'ai pas. C'est une phrase ou c'est genre. Oui, c'est une petite phrase. Oui, toute petite phrase. On passe tous à la barre, mais aucun de nous passe aux aveux. Maintenant, ça va. Ouais, ça va. Hein. Ouais, ça va. Pardon, ça veut souffler en plus derrière. Regardez, ça souffle en plus derrière. Ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as dit? Avec la remontada. Avec la remontada, ok, merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir participé. Merci Mathieu. La remontada, celle-ci j'en ai eu dans les Kilkenny Rix, mais la remontada, non, c'est pas grave. Hein. C'est pas très grave. Bon, personne ne l'a? Non, moi je l'ai pas. Oh, c'était simple pourtant celui-ci. Ouais. Maintenant ça va, j'encule la vie d'avant. Merci. Attends, c'est incroyable. Je sais pas si tu as été nous chercher une remontada là-dedans, mais c'était j'encule la vie d'avant quand même. Ok. Allez, on attaque avec... Ah tiens, peut-être alors... Classique. Morceau de Rimka et Nino Air Max. Ok, il y a peut-être moyen. Ah, il y a peut-être moyen d'avoir quand même quelque chose. On y va. Noté sur le banc, sur les lacets de mes Air Max, il reste un peu de sang. Elle apparaît puis disparaît sous mon volant. Il me reste encore un peu de rouge à lèvres sur le gland. Mes portières sont en l'air. Je tourne en ville, je suis rapote. Je cartonne à 2,80. Je ne l'ai pas non plus. Non, c'est un peu la honte, un peu moi. Attends, je me tourne. Peut-être une proposition. Attends, je vais voir si ça colle. Remontada encore, tu veux commencer là-dessus. Les portières sont en l'air, je tourne en ville, je suis rabatte. Je cartonne à 2,80 même, hein, pas 2,50, 2,80. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on cartonne à 2,80 en voiture? Qu'est-ce qui peut se passer? Un petit indice. Accident, crash. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Explosion. Qu'est-ce qui se passe dans le véhicule? Ça s'appelle airbag. Cartonne à 2,80. Je déclenche les airbags. Bravo. Moi bon, j'ai filé un point parce que moi il va falloir quand même filer des points. Hein, qui a dit en premier de vous deux d'ailleurs? C'est toi? Non, c'est Chris qui l'a dit. Ah ouais, ouais? T'as dit airbag. T'as dit airbag en premier? Allez, bah, un point pour ça. C'est parti, allons-y. Putain, c'est gentil, j'aurais dû me le prendre en fait. Ouais, franchement, c'est très gentil. Hein. Mais on est très nuls à ce jeu. Dernier extrait, sachez que celui-ci vaut 2 points, donc il peut y avoir des renards des surfaces. En plus, là, j'ai envie de dire, franchement, là, ça se joue à domicile, sauf pour toi et là, mais autour de la table, ça joue à domicile. Morceau de Hamza, avec Damso. Là, je pense que. Peut-être. BXL Zoo? Ouais, non, c'est Nocif. Nocif. On y va. Je n'ai plus vraiment le moral. Des buts à façon serviette étanche, mouille comme dauphin, dauphine. Aucune salope, salope, je monte juste comme toutes ces copines. Je t'ai menti dans les yeux. On était amoureux? Ouais, c'est ça. Hein. T'es menti dans les yeux. Je pensais ça aussi. On était amoureux. Est-ce que c'est de quoi? C'est ça.
Là, j'entends plein de propositions, ça me plaît. Non, je pense que c'est... On était amoureux, non? Il y a une réponse là-bas dans le fond? C'est, je t'ai dit que j'étais amoureux. Je t'ai dit que j'étais amoureux, donc je t'ai dit que j'étais amoureux. Là, vous m'avez dit quoi déjà? Moi, j'ai dit on était, mais... On était amoureux. Je suis vert. Je t'ai dit qu'on était amoureux. C'est bien le genre. Je vais quand même vous lire quand même ces paroles magnifiques de Damso. J'ai toujours rêvé de ressembler à Damso et pouvoir sortir ça. Donc, je vais me gâcher pas mon plaisir, je l'ai lu. Après, on reviendra sur ce que vous m'avez proposé. Mouille comme dauphin, dauphine, coquine, salope. Oui. Salope. Mademoiselle. On n'interrompt pas un artiste quand il s'élance. Salope veut mon juice comme toutes ses copines, ouais. Je t'ai menti dans les yeux. La réponse. Je t'ai menti dans les yeux. Je t'ai dit que j'étais amoureux. Et voilà, il y avait un renard des surfaces dans l'équipe. Oui, bravo, on peut l'applaudir très bravo fort. Chris, bravo, Chris. Quel est ton prénom? Quel est ton... Chris. Chris qui bosse avec vous? Yes, Chris Uptown, bien sûr. Chris Uptown. Ouais, ils disent bien son blase, Chris Uptown. Chris Uptown qui est là avec nous, Chris Uptown. Tu vas repartir avec un cadeau d'une valeur inestimable. Oh, et là, tu te demandes, mais quel cadeau d'une valeur inestimable? Je me pose la question. La réponse... C'est cette magnifique BD qui va être dédicacée pour toi. Par Chrissy. Ah, c'est mon artiste préféré en plus. Chrissy, je ne sais pas ce que tu vas lui mettre comme dédicace. Ah, si tu as une petite idée. Je vais lui mettre un vrai truc. Tu vas lui mettre un vrai truc. Très bien.